Si je prends une langue internationale, rapport que je change de pays. Je se passe du pays de Pierre May au pays de New York. Je me suis dit, on va prendre une langue internationale. Pour la grande serre de rêve. Voici. Quand dis-tu, Catilina, fourreur, rester tous nos celludettes. Pas terrer toi comme s'il y a non sentis. Comme Wigan, Sinégas, oh tempora, oh mores, senatus, aec, intelligit. Comme sous Widet, ictamen, Wiwit. Ictamen, Wiwit. Hein? Ben, je me disais qu'on peut nous dire c'est un petit retardant. On dit que une vieille langue internationale, ça marcherait. Non, ça ne marche point. En français, alors. En galop. En patouet. En galop. Bon. Ben, je veux bien, mais il faudrait. Parce qu'à chaque fois, on dit on ne comprend pas tout. Hein. Alors, c'est pas vrai que d'un pays celui-là que ça change, tu le fais. Alors, je voudrais être sûr que tout le monde comprenne. Y a-t-il du monde qui cause galop, il est dans la pièce. Oui. Alors, on va lever la main pour ceux qui causent galop. Ben, il y a trop de chandelles, ben, il n'y a pas grand monde qui cause pas doué. Bien sûr. Non. Alors, on va faire ça en compte. Y a-t-il du monde qui ne cause pas. Pas rien, galop. Pas un mot de galop, rien. Donc en fait, si je calcule les siens qui ne parlent pas un mot de galop et les siens qui gossent galop, on doit être 10 dans la pièce. Mais je vais bien qu'il y a du monde, c'est comme ça tout le temps. Il y a du monde qui tourne les mains crocheteux sur le sac et fait que le voisin fouille dedans. Là, je sais pas. Tous les ans, c'est ça. Bon. Alors, comment une fois, qui gosse galop là? Vous pensez galop maintenant? Un petit? Un petit? Vous comprenez? Bah oui, venez, venez, Mike. D'accord. C'est pas de jolga, vous avez poussé même. Vous savez bien que tous les ans, quand je vais à Saint-Bégalaise, je passe un tour de physique. L'année passée, je vous ai pensé que vous étiez sous le temps. Vous étiez là l'année passée, petit? Oui, on s'est tous les ans. Heureusement que je change de répertoire, parce que sinon, on n'a plus place. Hein. Mais tout comme le tour de physique, l'année passée, j'avais fait apparaître un lieuf. Si je disparais, est-ce qu'on va me rembourser ma place? La pour de ça, là, je vais t'en morphoser. Oh là! Non, tout à l'heure, fort. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Parce qu'on dit vert, tu fais de la fusil, mais y a des... c'est arrangeux, ça. Tu sais ton petit nom? Sabine. C'est Sabine qui va vous faire deviner quelque chose, et on va voir si vous arrivez à teurer. Ça, c'est pour voir si, même si tu n'arrives pas à cause de trop le galop, non. Juste pour voir s'il y a eu des intervus bien. Ah, d'accord, ça bien. On va lui demander de choisir un ourdi, un affutien. Quelque chose pour travailleux, ouvrageux. Et on va lui donner un coup lourd. Alors, je lui ai dit, parce que fallait qu'elle arme le mot dans la tête, comme elle ne cause pas trop. Je lui ai donné le mot, la futiao épais et la coup lourd. Mais eux, elle va se mettre un petit en avant. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas tâcher de nous faire deviner. Tu as la futiao et la couleur de la futiao. C'est bon? Alors on va faire. Chic ça te. On peut pas commencer. Un martel. Un martel. Et tu as couleur? Rouge. Bravo. C'est quand même pas si con que ça. Ben, Marthe rouge. Merci, Samy. Tu peux prendre la dernière.